d'après Léonard de Vinci, avec près de 400 comédiens, reconstituteurs en costumes et en armes, danseurs et musiciens. À son Excellence le Duc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les nouvelles de ce qui se passe à la cour de François Ier. Et il s'en passe des choses à Amboise en ce mois de mai 1518. Mais vous aurez la bienveillance de me pardonner la petite facétie que j'ai eue au début. Bon, vous n'êtes pas heureux. Enfin non, mais je te parle en politique, Léonard. C'est qu'il ne suffit pas d'être roi, il ne suffit pas d'être vainqueur, d'être puissant. Il faut encore le rester. Il y avait d'abord les musiciens, les nobles seigneurs, Majesté, votre grâce, princes et princesses, ducs et duchesses, comtes et comtesses, barons et baronnes, seigneurs, chevaliers, peuple d'Amboise, je vous baille le bonjour. Content de vos fêtes, content de la marche, et sire de vos jeux, à cavaleur! Installez-vous, bien entendu, Monseigneur de Savoie, grand maître de France. Vous pouvez l'encourager. Aidez-moi, comptez ces têtes coupées. Ah. Félicitations, Monseigneur. Thank you.
respect. Nous avons terminé le tournoi, si cela vous convient. Merci bien, Monseigneur. Nous allons maintenant vous faire une petite démonstration de ces dames. Des danses. Ainsi va la fête. Sire, ne deviez-vous pas me faire le récit de la bataille de Marignan ? Ne le connais-tu pas ? La légende. Je connais la légende, sire. Marignano. Mais ce ne sont donc que rouages et cordages ? Rien de magique dans ce lion ? Sire, la mécanique changera le monde. Je sais que demain, des batailles seront gagnées par des machines nouvelles. Oui, oui, ben je connais tes inventions. D'arquebuses au feu si nombreux qu'ils effraieraient l'ennemi avant même de le tuer. Ou des chars mécaniques munis de roues avec des faux qui couperont et trancheront les bras et les jambes. Vous deviez conforter votre avantage par l'artillerie. Les Suisses n'en avaient pas. Vous aviez une artillerie légère, bien organisée, et une artillerie lourde, puissante. Mais les combats reprirent bien avant le lever du jour. Oui, et malgré nos efforts et le feu effroyable de notre artillerie, la reprise des hostilités ne fut pas en notre faveur. Les Suisses multiplièrent les victimes dans nos rangs. Alors, vous sûtes que la victoire était pour vous. Où qu'on porta les yeux, Léonard, c'était partout des corps d'hommes et de chevaux qui jonchaient le sol, rougissant la terre et l'eau des fossés. La tâche de les ensevelir tous était immense, inhumaine. Trois jours n'y suffirent pas. Et enfin, le samedi 15 septembre, je fis une grande revue de mes troupes et y adoubai plusieurs chevaliers en récompense de leurs bons et glorieux services. Vous-même, ne fûtes-vous pas fait chevalier par Bayard ? La bataille peut commencer. Non pas la bataille de Marignan, mais celle d'Amboise, donnée en apothéose du mariage de Madeleine. Mais tout est en place. La reine Claude, Louise, Madeleine, et les gentilles demoiselles sont en place. Le spectacle peut commencer. Les assaillants se préparent. Au nom du roi, à attaquer le château et ses défenseurs. Face au château, un bataillon d'infanterie. De ce bataillon d'infanterie, un premier soldat attaque seul et courageux le château. Le combat est infernal.
et la retraite pour les défenseurs du château. Victoire! Comme minuit sonne, chacun se retira pour préparer la journée du lendemain. Eh oui, le roi François et Léonard ont décidé qu'il faisait nuit et il fait nuit pour tous les spectateurs. L'avenue de la bataille ne vous peut donner aucune crainte. La victoire gît en vos valeurs naturelles et vos bras qui servent justement la défense et la récupération du bien qui est notre par droit héréditaire. Vous me répondez que les Suisses sont craints de toutes les nations de la terre. Mais voyez aujourd'hui que les Suisses sont traîtres, ingrats et oublieux des bienfaits que leur ont accordés les rois de France. Aussi, je vous prie de venger votre honneur des honteuses défaites du passé. Je crois que vos grands courages et vertus n'ont pas grande nécessité d'exhortation. Mais je veux vous dire et découvrir mon secret et toute mon intention que vous, m'aidant de votre vertu, j'espère bientôt vous faire tous riches des promesses de la cité de Milan. Vous, vos femmes, enfants et frères, je ne peux vous en dire davantage, sinon, allons ! Qu'il soit dit, messieurs mes soldats, gentils hommes de mon armée, gentilles dames, gentils hommes de ma cour, et vous tous, peuple de France, qu'il soit dit et entendu que le sacrifice de leur vie, que l'espérance en Dieu nous accorde les bienfaits d'une paix durable pour les temps présents et ceux à venir. À ta suite les limites du possible, parvenez à lui donner forme et réalité. Cette perspective, dirait-on, vous fait moins peur qu'à moi. Elle me glace. Mais tu es homme de science, Léonard, et moi homme de pouvoir. Ah,
organisé par un jeune roi et un vieil homme, associés à jamais dans la mémoire. Thank you.